T'es arrivé là? Ouais. Moi j'ai ouais. Vraiment les yeux ouverts de ma fenêtre hein. Ouais, je l'attends, tu me reçois sur un simi. Putain, t'as ouvert les deux fenêtres. Ouais. Je ferme un peu la fenêtre là parce que ça caille, y'a de l'eau qui rentre dans mon camion là. Je viens de faire les plastiques en plus et tout là, tu vois. Ah, il pleut chez toi? Ouais, bah il pleut pas chez toi? Non, je crois encore pas qu'on a la même météo. Hein. Ah ouais. Il pleut pas chez toi? Non, rien. Ah, c'est grand soleil moi. Chez toi, ça y est, un grand soleil. Putain, chez moi, ça flotte, mon vieux. Ouais, je comprends pas, pourtant on est au même endroit quoi. Yo, tout le monde est bienvenu aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on est sur Euro Truck Simulator 2. Alors je sais que vous me l'avez beaucoup demandé dans les commentaires. Et aujourd'hui, pour mon plus grand plaisir et pour votre plus grand plaisir, j'ai rebranché mon petit G29. Et comment que ça me fait trop plaisir de retourner sur Euro Truck. On est avec Alex. Yo Alex, ça va tranquille? Salut, bah ouais, ça va tranquille et toi? Ouais, ça va. Alors Alex, vous le connaissez très certainement. Il m'aide pas mal à cadrer les vidéos d'or et tout. C'est mon pote, c'est mon voisin en même temps et tout. Donc voilà, on était chaud pour se faire une petite livraison. Voilà, on est à La Rochelle. On va voir où est-ce qu'on va aller et tout. On a les promodes. J'ai tous les DLC maps. Donc là, c'est vraiment la dernière mise à jour du jeu et tout. Il est complètement à jour. Et putain, comment que ça me fait trop plaisir de retourner sur Euro Truck. Là, les gars, les filles, je compte sur vous, vous me faites péter un maximum de likes sur la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et bien sûr, vous n'oubliez pas de vous abonner, ça fait plaisir aussi. Vous activez la petite cloche, très important pour recevoir les notifications, tout ça. Caligari, Elbag, Weshden, Lyon, Weshden, Weshbaden. Je connais pas cette musique, j'écoute pas du tout. Moi j'aime bien gros, moi j'aime bien Weshden franchement. Elle est bien sa musique. Putain, j'ai perdu l'air de la musique dans la tête là. Ça ira coco, mon coco. Oh je sais plus. Bon, on prend pas Weshbaden du coup. Donc pour l'instant on n'a pas les mêmes missions. Donc je vais suivre Alex qui va chercher une petite remorque. C'est bizarre toi, moi aussi c'est marqué G29 plus Aft Scepter là. C'est moi qui l'ai ajouté pour prévenir aux gens que je joue au volant. Comme ça ils savent Comme ça ils savent que t'es un danger public. Exactement. C'est pas mal. Je devrais le rajouter aussi moi. Tu vois, je devrais mettre danger public. Bah toi, c'est gilet jaune que tu as. Gilet jaune, ah ouais, c'est vrai. Souvenez-vous les mecs, quand on faisait des lives et tout, c'est... Oh putain, ça y est, je ressors ça. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live et tout sur Euro Truck. Mais vous avez remarqué qu'en ce moment, je suis quand même plus actif sur la chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker la chaîne à Alex, qui sera dans les commentaires. Dans la description plutôt. Et du coup, la dernière fois qu'on avait fait des lives, voilà, je m'étais appelé gilet jaune et tout. C'était... Oh, franchement, on avait foutu les bordels sur le serveur. Il y avait tellement de monde. Quand on faisait des livraisons sur Euro Truck, mon vieux. Ah bah laisse tomber, on était un convoi. Tu nous voyais direct arriver. T'as Bayonne? Ouais. Allez, vas-y, on se fait un petit Bayonne. Je transporte de l'huile de moteur. Allez, vas-y, je prends la mission, moi. Oula, j'ai changé de camion, c'est pas mon camion. Putain, c'est quoi? C'est un Scania? T'as dû prendre les offres qui te prêtent le camion, les offres de traction, je crois. Ouais, c'est ça. Bah attends, moi je cherchais ma marchandise. Ouais, c'est pas grave, j'ai un Scania, il est bien, franchement, il est stylé. Hein. Ouais, il est stylé. Sont... Regardez ça, maintenant on peut ouvrir les fenêtres et tout, franchement, c'est tellement lourd quoi. Oh là là, et comment ça fait plaisir mon gars de retourner sur Euro Truck là avec le G29. Ah, c'est tellement bien franchement. Et franchement, moi je vous dis ça m'a manqué. Ah ouais, c'est terrible. Là en plus avec les promodes et tout en multi maintenant. Ah, oui, oh là là, par contre ça a pas changé mon vieux, je conduis comme une biche. Ah ça va revenir, tu t'inquiète pas, tu es un professionnel après. Ouais tranquille. Oh le pire c'est en live. Oh là là, quand on fait les lives. Quand je lis vos commentaires et tout sur les côtés de l'écran et puis que je m'en vais comme ça sur la gauche. Normal tu sais, tout va bien. Si je me trompe, bon, si je me trompe d'entrepôt ça va pas le faire hein. Allez on va faire un petit demi-tour tranquille. Ah moi c'est ça que je kiffe là, pour garer les semis et tout. C'est tellement bien fait. Ah c'est vrai que la physique des camions elle est vraiment très bien faite. De ouf hein. Alors il y a du monde là sur le serveur hein, mais bon pour l'instant Parce que les gens ils traînent plus dans les villes de DLC. Un petit feu rouge. Ça va, on a 9 millions sur le compte. C'est correct. T'as dû partir vraiment. Ah putain, j'ai pas pris la bonne route. Vas-y, je vais à l'essence. J'arrive. Vas-y, bon, du coup, je prends ma marchandise le temps alors. Ouais, prends ta marchandise. Vas-y, putain. Je vais être en retard, Alex, moi. Je vais être en retard chez le client là avec toutes ces conneries. J'arrive. Oh là là. Oh le feu rouge, comme par hasard il passe au rouge quand j'arrive, y'a jamais personne, je connais ici. Hein. Oh voilà. Merde. J'ai déjà pris 2% de dégâts. J'ai pris un pylône. J'ai pris un petit pylône. Non, sur le camion, ça va.
sur le camion. La remorque elle a rien. Ça va, oh, c'est rien, ça va, c'est rien. Ils sont les bien faits, franchement, les petits villages et tout avec la promode, c'est stylé. Hein. Ouais. Oh, je suis le pire routier. Eh, me donnez pas un camion, les gars. Je suis sorti de La Rochelle là. J'ai l'impression, alors je sais pas si c'est moi ou quoi, mais j'ai l'impression qu'ils ont amélioré les graphismes du jeu, non? Ouais, ils ont fait une amélioration des graphismes. Au niveau des jeux de lumière, peut-être, tu vois, je sais pas. Ouais, Jonathan Medrioc, tu me reçois? Comme d'habitude, 5 sur 5, hein. Ouais, ouais, 5 sur 5. Ok, ça marche. À toutes les stations, je rentre sur La Rochelle. Coupé, fermé. Allez, par contre, tu m'avais pas dit, tu sais que tu pouvais te déplacer à pied un peu, un moment et tout? Oh ouais, dans les paramètres, ouais, tu peux te mettre en mode piéton, faut configurer les touches. Et tu peux sortir du camion et tout? Alors, faut que je revérifie, mais oui, dans les paramètres, t'as un mode piéton. Oh, j'ai hâte qu'ils fassent les mises à jour des stores pour acheter les armes et tout, que tu puisses te balader avec des AK-47 et tout. Ça. Ça va devenir GTA, mon vieux. Non, ce serait excellent. Je suis à l'essence, hein, Alex. Ouais, j'arrive du coup, vu que j'ai chargé. Putain, j'aimerais bien pouvoir sortir de mon camion. Mode piéton, yes, je le vois. Par contre, c'est quoi la touche pour sortir du camion? Y'a pas une touche pour sortir du camion, moi. Ah ouais, en effet. Ouais, peut-être tu peux te balader comme un piéton dans Euro Truck. Qu'est-ce que ça doit être chiant, mon vieux. Ouais, de ouf. De ouf, quoi. Tu vois. Ouais, la quête touche. Oh, quoi que ça peut être pas mal. Moi, je me mettrais sur l'autoroute, je ferais du stop. Je passe, je te fais un petit coucou, Alex. Tu t'arrêtes sur l'aire d'autoroute. Allez, let's go to Bayonne. À gauche, hein, demi-tour. T'as, ils sont bien tes jantes. Ouais. Ouais. C'est avec. Ouais, j'aime bien. Avec les pneus Michelin. Ils sont bizarres. DLC. Ah non, c'est que moi je les vois pas en fait. Il y a marqué DLC sur tes jantes. Ah, bah oui. Il y a marqué DLC quelque chose. Je sais pas quoi, j'ai pas eu le temps de lire, mais. Ça doit être DLC Michelin. Ouais, peut-être, ouais, moi je les vois pas tes jantes en fait. Putain, faut avoir le DLC pour voir. Putain, c'est des. Franchement, c'est dégueulasse quoi. Ils auraient pu laisser les autres voir quoi, tu vois. Ça, ouais. Putain, faut même avoir le DLC. Ils cachent les pneus, les salauds quoi, tu vois. Ah ouais. Incitation, mon vieux. Incitation à l'achat de DLC. Même sur ta remorque, c'est marqué buy DLC Chrome. Je vois même pas ta SMI, mon gars. Ah bah oui. Oui, du coup, parce que ma remorque, c'est un DLC, ouais. Bah ouais. On a combien de kilomètres? On a 444 kilomètres pour la Bayonne. Ouais. Ça pique, hein. Ça pique, hein. 444 kilomètres. Vous pensez aux vrais routiers qui font quand même des milliers de kilomètres. C'est vrai, on fait une dédicace aux routiers, bien sûr. Ceux qui nous permettent d'avoir nos colis rapidement. Ouais, dédicace à tous les routards. Tu sais, qu'est-ce que c'est beau ce que tu dis, Alex. J'ai envie de chialer, quoi, j'ai failli verser de larmes. Et le clignotant, c'est pour les chiens. Ah non, ça va, tu l'as mis. Ouais, ça va, tu l'as mis, c'est bon. Tu vas pas m'en remorque, hein. Non, je vois pas ta remorque, mais je vois tes clignotants, ça va. C'est cool. Allez, un petit coup de scie, j'arrive. Oh putain, mon gars, il fuse ton camion un peu, hein. Putain, moi j'avance pas là avec le Scania. Il roulait à 90. Chargé. Hein, eh, j'ai même pas regardé ce que je transportais. Ah. Ouais, attention, Alex, bouge pas, je double. Attention. Eh, musical, hein. Je double. Vas-y, tu peux rabattre. Ah bah moi je rigole pas, mon vieux. Voilà, on n'est pas là pour enfiler des perles, mon vieux. Moi je tartine avec le Scania. T'inquiète. Ah ouais, je vois ça, tu tartines là. Putain, et tu suis pas, mon gars. Bah attends, moi de base je voulais respecter les limitations, mais attends, tu veux fuser, on va fuser. Bah moi, mais je respecte les limitations, t'es fou toi. Voilà, hein. Je fais attention quand même. Un petit 130, 140 maximum, grand max. 130, 140, allez. Pas plus. Non, et ça va. Quand en retard, un petit 200. C'est voilà, quand en retard, un petit 200-300. Non, non. 250. Non, non, mais là, un petit 110, ça va, vitesse de croisière, tu vois. Bon, normalement, les camions, tous les camions, peu importe où vous roulez, où vous passez, ils sont tous bridés à 90, de toute façon. Je suis pas sûr qu'ils brident les camions. Si, si, bah si, tous les camions, ils sont bridés. En général, mais je sais que vu qu'ils ont des cartes qu'ils insèrent quand ils roulent, tu peux dépasser la vitesse dans une descente, par exemple. Dans une descente avec un camion gros chargé, tu dépasses à l'aise les 90. Hein. Ah bah oui. Bah si tu freines pas, tu les dépasses à l'aise. C'est par là qu'ils voient les limitations de vitesse, tu vois. Mais les camions, sinon, ils sont bridés. À partir de 90, le moteur il arrête, tu vois. Enfin, il accélère plus, quoi. Ouais, et tu traces, hein. Non, ça va, tranquille, j'arrive au télépéage là. Oh, j'arrive un peu vite! Putain, c'était sûr. C'était sûr, en fait. Ouais, c'était sûr. Fais gaffe à Fren derrière, hein. Je te vois arriver à toute berlingue aussi, là.
t'inquiète pas, moi je gère. Ouais, c'est chaud. C'est stylé quand même la neige qu'ils ont rajouté et tout là. Ouais, on prend la sortie à droite là. Je vais te doubler là, direct. Doucement. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir le petit retour sur Euro Truck Simulator 2. Alors, bien sûr, il y aura sur la chaîne, il y aura du Euro Truck, mais pas que. Hein. On continue toujours tous les jeux. Hein. Il y a du Scrap, il y a du Roblox. On a repris Roblox récemment. Franchement, ça m'a fait super plaisir de retourner sur un petit Roblox aussi. Ça faisait super longtemps. Il y a tellement de petits jeux addictifs là-dessus. Tu joues un petit peu à Roblox, Alex ? Il y en a quand même des sympas quand même. Bah, il y en a des bien, franchement, des jeux. Va falloir que je t'initie un petit peu à Roblox là. Ah, exactement, ouais. Ouais, mais ça, tu vois, ça, il y a rien de tel comme jeu pour briser une amitié. Tu vois? Parce que des fois. Ça dépend sur quel jeu. Ouais, ça dépend sur quel jeu. Des fois, t'as des modes de jeu. Voilà. Des fois, ça nous arrive avec Sofiane de s'engueuler. Hein, de s'engueuler vraiment hein, sur Roblox. Hein. Ah ouais. C'est déjà arrivé hors caméra. Hein. Ah ouais. Mais qu'est-ce que tu fais? Ramasse pas mon trésor, c'est le mien ça. Oh ouais, ça arrive des petites querelles ou quoi. Ouais. Alors là, un virage, je fais quelque chose. Oh, des fois, c'était sur les poyaux. Les poyaux, mon gars, avec Sofiane. Mais laisse tomber, des fois. Pff, oh, on s'insultait, quoi. Des fois, je vous jure, hein, des fois, Sofiane, sur les poyaux, il me faisait vraiment la gueule. Hein. Mais pour de vrai. Tu me rabattes ou pas? Hein? J'ai pas compris. Non, je demandais si je pouvais me rabattre parce que j'étais doublé. Tu joues un petit peu à des poyaux toi, Alex? Non. Non? Oh là là, c'est bien ça. Mais ça, c'est pareil. Ce genre de jeu, y'a rien de tel pour casser une amitié. Comment briser une amitié en 5 minutes? Comment briser une amitié en 5 minutes? Tu joues à Slash Poyaux ou des Slizer Poyaux, tu vois. Voilà. Ah ouais, c'est un jeu, tu peux limite, t'es devenu premier et après en 5 minutes, dernier. Et... Non, mais je dis à chaque fois avec Sofiane, on se prenait la tête sur les poyaux, mais voilà, c'était gentil, quoi, tu vois, voilà. C'était tout le temps gentil, on s'est jamais pris la tête à cause d'un jeu, quoi. Mais des fois, on se faisait un peu la gueule. On la ralentit, il y a un péage. Il y a un petit péage, là? Ouais, tranquille. Ça nous coûtait encore une blinde, ça, ils aiment bien taxer dessus. Hein. C'est quoi, ça? Attends, je teste mes boutons un peu. Oh, c'est plein fort. Oh, putain, j'arrive vite, Alex, hein. J'arrive très vite, Alex. Ça va, c'est bon. Oh, tu m'as fait stresser, là. Non, c'est bon, je passe. Bon, en tout cas, vraiment, les gars, les filles, j'espère que ça vous fait super plaisir, ce petit retour sur Euro Truck. Moi, vraiment, je kiffe, c'est un truc de ouf. La dernière fois, Alex, là, il y a pas longtemps, il est passé à la maison, on a réglé le volant avec lui, il m'a fait installer les dernières promodes et tout. Donc ça, c'est super cool. Du coup, c'est grâce un peu à moi que tu reprends ETS2. C'est grâce à Alex qu'on reprend ETS2, hein, parce que c'est lui, hein, il est passé à la maison, il m'a installé les promodes, machin, il m'a fait installer mon volant, tout configuré et tout. Et franchement, il est super bien configuré le volant. Hein. Avec le retour de force et tout, là, il est très bien configuré. Là, le G29, il est au poil, quoi. Attends, je passe à l'essence, Alex. Vas-y, bon, je m'arrête sur le bloc. Attends. Ouais. Je fais pas le plein. Je regarde juste ce que j'étais en train de transporter parce que tu vois, j'ai même pas regardé en fait. Donc, je transporte des métaux lourds de La Rochelle jusqu'à Bayonne pour un total de 9007 euros et il reste 9h44. Voilà, je le fais maintenant pour voir ce qu'on transportait parce que je l'ai pas fait du coup. Ouais, Jolatalek, j'arrive là. Oh, j'arrive à toute berzingue derrière. Attends, je double, Alex. Je passe. Putain, mon gars, je vais passer la 10. Bouge pas. Il pourra me laisser doubler cet enfoiré. Hein. T'inquiète, hein. Mon gars, j'arrive. Attends, bouge pas. Attends, je vais prendre l'aspi, mon vieux, comme Grand Turismo. Par contre, voilà. Ça, tu vois, je sais pas si c'est pris en compte. De l'aspi. L'aspiration. Je suis pas sûr. Ouais, je sais pas si elle est prise en compte. Mais s'ils veulent être RP simulation jusqu'au bout des doigts. Elle devrait être prise en compte parce qu'il y a quand même plein de jeux qui la prennent en compte, l'aspiration, même des jeux d'arcade, quoi. Tu vois, ouais. tu prends une Mais après, speed, c'est que vu qu'on est en. De base, le jeu Euro Truck, c'est un jeu solo et que le multijoueur a été développé par des personnes. Ouais, c'est vrai. Mais même en solo, ils auraient pu incorporer l'aspiration des véhicules. Ouais, avec les IA, ouais. Voilà, alors pour ceux qui savent pas de quoi je parle, parce que bah, y en a peut-être qui savent pas, hein. L'aspiration en fait, c'est quand vous vous trouvez derrière un véhicule. Et du coup, ben, avec l'effet du vent, si vous voulez, si vous êtes juste derrière, ça aspire votre véhicule. Voilà, on appelle ça l'aspiration. Putain, freine pas comme ça. T'as eu un coup de lag, mon vieux. J'ai eu un lag. Ouais, tu
tu m'as fait peur. J'ai failli me foutre au fossé. C'est quoi la cible déjà là? Pour parler, c'est X, mais moi j'ai désactivé perso. Oula. Ouais, à toutes les stations, à toutes les stations. Y'a quelqu'un qui me reçoit? À toutes les stations, à toutes les stations. Attends. Je vais l'activer. J'arrive. Voilà, décélère un tout petit peu. Ouais, mais là je laisse l'accélérateur. Ouais, regarde. Attends, j'ouvre la fenêtre, ouais. Je voulais tester d'ouvrir la fenêtre. Gros, ça a pas marché. C'est quoi le bouton pour ouvrir la fenêtre? C'est bon. Oh, j'ai pris. Oh, ça va, la marchandise n'a rien. Non, ça va. Ouh. Excuse, j'ai pas fait exprès, franchement. Je voulais pas faire ça. Passe sur la gauche, double-moi sur la gauche, tu veux. Attention, il y a la sortie. On prend la sortie Saint-Sébastien, ouais. Bayonne. Non, on se reconcentre. Je vais faire un petit coup de klaxon. Là, le client va gueuler sinon. Ouais, à toutes les stations. Merde, ouais, j'ai désactivé la CB, putain. Fais gaffe, arrive pas comme un bourrin, Alex. Hein. Je te vois pas derrière là, t'arrives comme un bourrin. Je prends le télépéage. Hein. Attends, je vais régler la CB. Attends, je m'arrête au péage. T'es canal 2? Ouais, à toutes les stations. Ici, Jola, tu me reçois, Medreyox? Ouais, babouille. Attends, j'ouvre ma fenêtre. Attends, bouge pas, Alex. Ouais, attends, j'ouvre la mienne aussi. Attends, c'est une touche. Salut. Merde, ma fenêtre. Attends, j'ai calé, gros. Ouais, Jola, t'Alex. Est-ce que tu me reçois pour la CB sur la station 2? Tu reçois 5 sur 5. Ok, allez, on part en direction de Bayonne, c'est parti. Allez, babouille, à toutes les stations. Ça, en fait, babouille, pourquoi je dis babouille? Parce que c'est mon oncle, je sais pas, mon oncle, il disait tout le temps ça, la CB, je sais pas pourquoi, quand il était routier. Ouais. Les vrais routiers, mais les vrais, des vrais routards, mon vieux, ceux qui sont routards jusqu'à sur le bout des ongles, ceux qui ont un tatouage de Mercedes dans le dos et tout, eux, quand ils parlent à la CB, ils font toujours... Attends, je vais te la faire, Alex. Oui, je l'attends pour Medreyox ici pour un ECTX. Ça te parle pas ça, hein? Ça te parle pas, ça c'est les termes de routard, ouais. Les mecs. Mais les vrais, c'est les termes de vrais routards. Ceux qui ont des remorques tatouées sur les épaules et tout, c'est pas des trucs pour les machins de vrais routards, ça. T'as déjà eu une CB toi? Non, t'as jamais eu une CB. Moi j'en avais une parce que mon père, moi, il était routier, tu vois. Il avait une CB même dans sa voiture, il avait une CB, tu vois. L'ancienne, franchement. Ceux qui ont connu les CB, aujourd'hui ça existe plus, gros, les CB. Ouais, y en a, tu vois. Mais ça se fait de moins en moins, c'est vrai que c'est quelque chose qui se perd. Hein. Mais combien de fois quand j'étais gamin, gros, mais j'ai fait le con avec la CB. Oh là là. Avec des potes, tu vois. Mais ça se fait pas, c'est nul, tu vois. On se calait sur des stations et puis on racontait des conneries, tu vois. On racontait de la merde. C'est vraiment des conneries de gamin, quoi, tu vois. Voilà. Je suis sûr que tu es pas le seul qui a fait ça. Ceux qui ont eu des CB ou quoi, ils ont dû le faire ou quoi. Si vos parents, ils ont eu des CB. On se racontait des conneries dans la CB. Ah là 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 là. Ah oui, c'était à faire, mon gars. Tu es un délinquant. Ouais, un délinquant de la CB, mon vieux. J'sais pas. Oh, fais gaffe, j'arrive. Putain. Salut, chaud. J'ai pas eu le temps de freiner, j'avais le doigt sur la CB. Ouais, putain, comment qu'il se fait chier le Jean-Jean, mon vieux, à la sécurité de la barrière d'autoroute. Ah ouais, ils sont là 24 heures sur 24, ils bougent pas. Bah ils ouais. Pas bah, mon petit Jean-Jean. Ça se passe. Lui, pas dit bonjour, je me suis cassé. Allez, ah, hop. Donne un coup de klaxon, tu vois. Voilà, il est content, tu vois. Il me fait un petit signe de la tête. Allez, on est en direction de Mont-de-Marsan, Dax. On va prendre Bayonne, bien sûr. Ah, encore un péage, Bayonne, Bilbao. Et tout ça, tu vois, regarde Mont-de-Marsan, Dax, Bayonne. Ça fait partie quand même de la promode, il me semble. Toute la partie sud-ouest, tu l'as pas normalement dans le jeu. Non, là, tout ce qui va être Pau, Dax, Bayonne, oui, c'est un ajout de la promode. Ouais, ouais. Et ça, vraiment, c'est cool, hein, tu vois. Même La Rochelle, Bourges, tout ça. T'as pas dans le jeu de base, à moins qu'ils ont fait des mises à jour ou quoi, tu vois. Non, il y a pas, mais vraiment il y a pas, ouais. Mais voilà, tout ça, ça fait partie de la promode et ça rajoute vraiment quelque chose au jeu et tout, franchement, ça ajoute un truc. Ouais, ouais. J'arrive, je prends la sortie Bayonne là. Ouais, je viens de la prendre et il y a encore un petit péage à prendre. Et après on arrive. Enfin, c'est la sortie de péage, quoi. Ouais, ok, d'accord, c'est la sortie qui servait à rien en fait. Attends. Si ? Ah si, elle sert à éviter le péage. Oh, ça causait, ouais. Ouais, on passe à côté du péage. Ouais, en fait, on sort de l'autoroute. Attention, Alex, je suis derrière toi. Accélère, Alex, accélère! En ville! On va te brider! Je vais te rentrer dedans. Eh, fais gaffe, hein!
Un camion lancé à 80 km/h, ça s'arrête pas en 2 mètres. Là 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 là, je t'ai pris le rond-point comme un sagouin, mon vieux, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas eu le temps de freiner. Le trottoir, moi. Oh, on arrive à Bayonne, les mecs. Peut-être la marchandise, hein. Yes, ouais, ouais, on va déposer la marchandise. Ah là là, c'est aussi un des moments que j'aime bien. C'est garer le camion et tout. Moi, je fais toujours ça en mode pro, hein, tu vois. Voilà. Oh, moi, sauf quand j'ai pas le temps, des fois, tu vois. Mais en général, voilà, je prends tout le temps de bien garer ma semi et tout. Ah, des fois, franchement, il y a des endroits, qui sont hard hein, pour se garer ou quoi. Ok, je suis arrivé. Ah, je me tâte à faire un pro, moi. Ah, ah non, moi, je pars sur un pro. Hein. Pareil. Moi, je pars sur un pro, mon gars. Voilà, je pars sur un 90 d'XP en plus. Allez, on va voir un peu comment tu te gares, Alex, là. Vas-y, là. Oh, t'es pas bien parti, Alex. Si, si, vas-y, braque tout. Ouais. Braque tout, rebraque dans l'autre sens. Rebraque tout dans l'autre sens. Oh là là. Ah, c'est pas bon, ça, Alex, c'est pas bon. Ah ouais, là, c'est vraiment pas bon. Allez, bouge pas, laisse faire les vrais routards, on va. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des... Je vais te montrer comment qui se gare les vrais routards. C'est là où c'est lui qui va se fail. Impossible. Un vrai routard ne se fail jamais. Je vais attendre que tu te gares tranquille. Non, voilà, hop. On reprend dans l'autre sens. Ah ouais, je suis pas droit du tout. Faut y aller tout doucement pour se garer, mon gars. C'est comme en vrai. Bah oui, normalement tu dépasses pas les 10 km/h. Hein. Voilà, tu vas tout doucement. Voilà, regardez ça là, regardez ça là. Garde la même place. Là, voilà. Bon, ça... Je suis pas bien droit, mais je suis garé. Ça va. Allez. Ok, très bon travail. Non, pas très bon travail, bon travail. Ouais, pénalité de dégâts, moins 37 XP. Alors moi, l'argent dans le jeu, ça m'intéresse pas trop parce que j'en ai plein, mais c'est surtout l'XP. Hein. L'XP, tu vois, ouais, j'arrive quand même niveau 12, donc c'est pas mal. J'aimerais bien avoir plus d'XP, tu sais, pour gagner genre des nouvelles missions. Par exemple, prendre des produits dangereux et tout. Ouais, bah ouais, moi je les ai déjà. Ouais, voilà, ça c'est vrai, ouais, moi je les ai pas, je crois. Excellent. Ah, je sais plus si je les ai pas pris, les produits dangereux. Oui, bien les mecs, on arrive à la fin de cette livraison. On arrive également à la fin de cette vidéo sur Euro Truck Simulator 2. Oh, mais ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres bientôt. Avec Alex, bien sûr, avec pourquoi pas de prochains invités, pourquoi pas de nouveaux sujets, de nouveaux débats, de nouveaux délires, de nouveaux tout. N'oubliez pas, bien sûr, de lâcher le like si ça vous a plu. Mettez un petit commentaire, c'est toujours bon pour le référencement. Ça me fait plaisir. Moi, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. C'était Géolat et Alex. Ciao tout le monde. Bye bye. Salut. Au revoir. Salut. Au revoir.